suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Normalement, on va essayer d'aller filmer une partie d'une de mes nouvelles vidéos qui va sortir la semaine prochaine, normalement. Coucou, je viens de finir ma répétition plateau, il est 13h, je dois être à 14h chez moi. On va sortir la petite Gemma qui en a marre là. À ma puce. Donc je viens de rejoindre Karine avant d'aller au sport et on est en train de travailler sur la... La soirée. Donc c'est toutes les nouveautés pour le printemps, donc les nouvelles marques qui arrivent chez Sephora. Je suis loin d'être rentrée parce qu'à mon avis là je vais me choper tous les embouteillages de Bruxelles. Henri à 21h45 décide que c'est l'heure de raccrocher son tableau. Julie, c'est parce qu'il fait froid, je suis désolée. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 4. On est lundi matin, il est 9h et c'est parti pour cette nouvelle semaine qui s'annonce très sympa. Bon, la seule petite mauvaise nouvelle, c'est que je suis un petit peu malade et du coup c'est un peu compliqué pour moi d'avoir l'énergie de faire tout ce que je dois faire aujourd'hui, mais je vais me préserver et je vais faire ce que je dois faire, mais je vais pas non plus me mettre dans le mal. Par exemple, je retournerai à la salle que demain parce que là vraiment aujourd'hui non, mais je vais faire du coup tout ce que je dois faire demain, enfin je vais prendre de l'avance, je vais me débrouiller. Du coup, ce matin, petit programme, je me suis fait un café, je vais me poser dans mon bureau et je vais enregistrer mon nouvel épisode de podcast qui sortira demain. Et d'ailleurs, à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, l'épisode est sorti uniquement sur les plateformes d'écoute et c'est un épisode qui concerne le stress et la pression que peuvent engendrer les fêtes de Noël et à quel point c'est difficile parfois de retrouver ses proches pour les fêtes de fin d'année et que c'est pas évident et c'est pas non plus un plaisir pour tout le monde. C'est le thème de ce nouvel épisode de podcast que je vous mettrai en barre d'infos si vous avez envie de l'écouter. Mais d'abord, avant ça, il faut que je l'enregistre, donc je vais me mettre au mon ordi, je vais enregistrer mon épisode et je vous retrouve après. Les amis, dites-vous, ça fait 20 minutes que je parle et j'avais pas cliqué sur le bouton enregistrer. Je dois tout recommencer. Je vais péter un câble. Bon, vous voulez que je vous montre la réalité des travaux? Eh ben, c'est ça. À chaque fois qu'on fait des travaux, on a énormément de choses, hein, tout simplement, qui débarquent ici dans cette entrée. Donc là, vous avez les anciens lavabos du haut dans la salle de bain. Effectivement, des déchets, des choses comme ça, enfin voilà. Et alors, le pire du pire, c'est vraiment ça. Donc en gros, là, vous devez comprendre qu'il y a tout l'ancien parquet de notre salle de bain, il y a les anciens Velux, il y a énormément de palettes, ce genre de choses, et c'est vraiment chaotique, parce que bah, il y a beaucoup de choses à enlever, les plinthes et tout, et ça, c'est vraiment la réno par excellence. Et donc pour l'instant, ça reste là tant que les ouvriers n'ont pas pu venir avec les camionnettes pour tout emmener à la déchetterie. Mais donc, voilà, on vit littéralement dans un bordel. Écoutez, un joyeux bordel, hein, parce que c'est pour le mieux, mais ça fait pas hyper plaisir non plus. Je peux pas m'empêcher de vous montrer, parce que là, du coup, vous allez quand même le voir. J'avais dit que je vous le montrerais aujourd'hui, mais ah, c'est trop beau. Bon, donc vous avez vu la cuisine hier, vraiment toute terminée. Ça fait plaisir. Mais maintenant, faut que je vous montre un truc. Vous êtes prêts? Oh my god. C'est trop beau. Quand on est arrivé dans cette maison, on savait qu'on n'avait plus envie de garder la table qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc la table de salle à manger, parce qu'on en voulait une plus grande pour s'adapter à la taille de la pièce. Et on a craqué sur celle-ci. C'est pour ça que dans le précédent vlog, je vous disais que pour l'instant, on cherchait des nouvelles chaises. Parce que bah, on a une nouvelle table. Mais elle est juste magnifique. Je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà un petit peu où on en est. On a également changé, enfin pas changé, mais on a installé une vraie lampe, on n'en avait pas. Et donc ça pareil, ça a été assez compliqué de faire un choix sur la lampe qu'on voulait, mais on a trouvé celle-ci que je la trouve magnifique. Et cette fameuse table qui est en fait une table qui vient de chez Talca. Talca en fait c'est une marque française qui fait justement du mobilier en travertin. Et regardez-moi cette beauté, enfin vraiment j'espère que la caméra lui fait honneur, mais vraiment cette table elle est splendide, elle fait 2,20 m. Donc elle est beaucoup plus grande que celle qu'on avait avant. Et donc elle est en travertin. Le travertin c'est de la pierre naturelle. Mais c'est juste, c'est sublime. Nous on a toujours voulu une table comme ça. D'aussi longtemps que je me souvienne, la première fois qu'on l'a eue c'était peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans. Et on s'est dit c'est ça qu'il nous faudra dans la nouvelle maison. Alors... ça pèse un âne mort, littéralement. Il y a vraiment plusieurs personnes qui ont dû venir pour nous aider à la monter.
parce que elle est massive, hein, vous voyez les pieds et tout, c'est de la pierre, donc forcément c'est très très lourd. Donc là les 4 chaises qu'on a sont beaucoup trop massives et mastoc par rapport à la taille de la table, donc ce qu'on aimerait en fait c'est s'en séparer pour pouvoir en fait mettre 2 chaises aux extrémités et 3 chaises ici, 3 chaises là-bas, donc ça ferait 6, 7, 8, 8 places pour pouvoir s'asseoir et pour manger. On est encore en train de chercher les chaises de nos rêves, mais c'est pas évident, ça prend du temps, mais on voulait d'abord installer la table pour voir en fait comment est-ce que ça rendait et quelles chaises on allait vouloir avoir. On a aussi fait le choix d'enlever le tapis parce que je trouve que c'était pas hyper joli avec la table, on voulait quelque chose de super épuré et je pense que là on y est arrivé. Prochaine étape, trouver des jolies chaises pour cette table là. Tout le mobilier en fait on le garde, hein. De toute façon même notre ancienne table et tout, on a déjà d'autres endroits où on jette pas, on donne pas, voilà, on garde évidemment parce qu'on a de la place. Je vous mettrai le lien d'ailleurs du site sur lequel on l'a prise en barre d'infos. Il est 11h21, j'ai l'impression que j'ai pas du tout avancé, je vais me faire un deuxième café. J'ai terminé d'enregistrer mon podcast et là il faut que je fasse le montage. Cet endroit c'est toujours autant le bordel. Je suis en train d'attendre que Henri revienne avec ma voiture. En ce moment, on a que des problèmes avec les voitures, c'est un délire. On est rentré d'Europa Park hier et quand on est rentré, on s'est rendu compte que la voiture d'Henri ne démarrait plus et ça fait 2 fois qu'elle fait ça en 2 semaines. Donc à chaque fois, on doit la faire dépanner et tout. Donc du coup, il a dû prendre ma voiture là pour aller ce matin à son rendez-vous. Et là, du coup, c'est à moi de récupérer la voiture parce que je vais devoir aller voir donc le cheval dont je m'occupe. Non, je vais pas mettre ça. Et je dois partir très bientôt parce que là, j'ai rendez-vous donc à 13h, il me faut à peu près une demi-heure pour y aller. Donc vite quand il rentre, je récupère la voiture, je repars, je re-rentre, je termine le montage du podcast. Et ensuite on verra si j'ai le temps d'aller faire une de mes activités favorites, surtout pendant les vlogmas. Mais je vous montrerai ça après, je sais même pas si je vais avoir le temps d'y aller. Ouais là, le timing est un petit peu short les gars. J'ai pas du tout arrêté aujourd'hui, j'ai à peine eu le temps de faire à bouffer et tout. Pour l'instant, grosse journée, donc mais voilà, ça va faire vraiment un outfit. Non mais regardez pas, franchement derrière c'est lente. Mais vraiment genre jogging, mes vieilles Uggs, mon gros manteau, le bonnet, il fait un froid de canard. De toute façon je peux rien faire, je le monte pas, je fais juste que le marcher. Pour ceux que ça intéresse et qui font un peu d'équitation, en gros il a une lésion du suspenseur. Donc du coup ça fait 2 mois et demi qu'il est à l'arrêt et qu'il doit être soigné, il peut uniquement marcher. Donc c'est à dire qu'en gros c'est un peu comme si on avait une méga tendinite et que le seul truc qu'on pouvait faire c'est de marcher pour s'en remettre et de rester au repos. C'est vraiment le seul truc que du coup il peut faire depuis quelques mois. Là normalement c'est bientôt terminé, on va commencer à pouvoir le remonter, mais ça va être chaud parce que vous vous imaginez bien qu'un cheval qui a été à l'arrêt pendant 2 mois et demi, le jour où on va lui remonter dessus, ça tombe bien parce que c'est pas moi qui vais lui monter dessus en premier. Donc voilà, ça va être un petit peu sportif. Donc bref, du coup let's go les gars. Oh putain, j'ai oublié que cette caméra était toujours aussi lourde évidemment. Quelle dégaine. Loulou, alors, oh, c'est la sieste. Tu fais la sieste. Oh, c'est ma sieste aujourd'hui. Un peu endormi ce matin, enfin ce midi. Oh bébé. Alors, gros bébé. Alors, on va aller marcher. On va aller marcher. Bah oui, on va. Ça, c'est parce qu'il a bien marché. Alors Mimou, tu croques, hein. Croque. Pas en entier. Je te la donne, mais pas en entier. Croque, croque. Voilà. Ah, regarde-moi cette tronche. Yay. Ça va? C'est quoi ça? C'est quoi? Oui, c'est ma veste ça. Bah, tu manges pas, hein. Tu manges pas ma caméra, hein. Tu manges pas mes cheveux non plus, putain. Qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Tu vas me mordre encore. J'ai rien. J'ai pas, Je te fais un petit bisou. À mercredi. Bisous. Bon, ça y est, le petit est sorti, non sans mal, mais bon, là il a passé une petite visite de contrôle et apparemment ça ne va pas mieux. On aurait dû commencer à le remonter le 6 décembre et là ça se résout pas très bien, donc ça sera pas avant fin décembre, en espérant que tout se passe bien et qu'on puisse commencer à faire ça le 20 décembre. Donc on croise les doigts parce que pour lui c'est long, pour nous c'est long. Et moi ça me fait vraiment de la peine en fait de le voir comme ça. Donc j'ai vraiment hâte que ça soit guéri. Parce que là c'est ouais, c'est dur pour lui et en plus c'est l'hiver. Donc enfin rien de très très cool pour lui. Donc voilà, on espère que ça va bien aller. Là je vais chercher Henri du coup et ensuite je rentre à la maison. Je termine le montage du podcast et je repars. Voilà, let's go. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je te filme. Ok, on va chercher Jelly. C'est l'heure. C'est l'heure d'aller chercher JJ.
Ça va? Ça va et toi? Oui. Moi. Évidemment, on va chez Ikea parce que forcément, il y a toujours des choses à acheter. J'ai vraiment une tête aujourd'hui de... C'est la catastrophe. Je vais manger un petit hot dog végétarien, ça ira mieux. Pour la chambre ? Ouais. J'avoue que c'est pas moche, mais c'est trop court. Enfin, c'est trop petit, je verrai quelque chose de plus haut. On cherche aussi des étagères pour mettre dans la chambre. Eh, hey, regarde celle-là. Viens voir. C'est joli. C'est pas mal, je trouve. C'est très sympa, j'avais jamais vu ça chez Ikea. J'aime bien les petites poignées et tout. Mais par contre, c'est plus pour ça a plus un vaisselier, quoi. Ouais. Ça, on en a déjà. Tu en veux 6, 8. Ils sont beaux, ceux-là. C'est un truc... Peut-être les jeux, tu les empruntes. Attends, on voulait pas prendre des serviettes de table aussi? Prendre des serviettes de table, on n'en a pas. Je cherche des lampes pour les chambres du haut, mais c'est un vrai casse-tête. Il faudrait des appliques murales. Mais tiens, on va prendre le petit papillon, là. Très mignon. Ils sont pas individuels. Ouais, mais c'est pas mal. Je vous présente l'indécision. Je pense qu'on va pas acheter de lampe, alors qu'on est mieux pour ça. La vraie raison de ma venue, c'est pour manger un hot dog végétarien de chez Ikea. Voilà, je peux rien savoir. Bon, alors réalistiquement, on n'a pas trouvé tout ce dont on avait besoin, comme d'habitude. On va aller faire un autre magasin de luminaires là, pour aller essayer d'en trouver pour aller dans les chambres du haut. C'est vrai que je vous les ai pas encore montrés, mais restez là pour les prochains vlogs parce que vous allez voir, le changement il est abusé. Par contre, bah ouais, en effet, il faut absolument qu'on change quelques petits trucs encore, pas mal de déco et de mobilier en fait, et donc ça passe par ça. Il faut qu'on aille acheter des luminaires, et pareil, enfin je vous montrerai. Il y a plein de trucs qui ont changé, mais on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. Je pense qu'il y a des choses qu'on va devoir commander par internet. Bon, du coup, très simple ce qu'on a pris. On a pris des sets de table pour ne pas abîmer la table, voilà. Après on a pris des serviettes, ce qu'on n'en avait pas, et après je me suis fait avoir, on a pris des petits oignons, des bonbons. Bon, déjà je vous montre, je sais pas si vous vous situez un petit peu où on est là, mais tous les escaliers ont été peints en noir, donc ça c'est vraiment trop beau. Ici, là on a enlevé, enfin pas nous, mais les ouvriers du coup ont enlevé l'espèce de moquette qu'il y avait, et on va bientôt recevoir le sol pour ici, mais déjà je trouve que ça a beaucoup plus de gueule. C'est exactement le même escalier, sauf que bah voilà, il est peint en noir mat et c'est trop trop beau. Là du coup on a acheté les luminaires. Ici cette chambre, j'ai l'impression qu'on l'a même pas montré en vlog, alors que pourtant j'en avais fait toute une vidéo sur Insta. Donc ça c'est la première pièce du haut, avec un canapé lit du coup. On a meublé avec des choses qu'on avait déjà. Bon, là c'est un petit peu le bordel évidemment parce qu'ils sont en train de faire la suite. D'ailleurs le canapé lit, c'est un teddy bear. D'ailleurs vous pouvez toujours participer au concours si c'est toujours pas fait, ou vous pouvez tenter de gagner 6 000 € de produits avec eux. Donc c'est dans le commentaire, vous pouvez le faire. Ça dure une semaine. Donc voilà, ici c'est pas terminé, on va encore mettre des choses, mais ce sera dans un second temps. Et ici et là je vais pas tout de suite vous montrer parce que c'est pas terminé et ça fera vraiment l'objet d'une vidéo à part entière. Mais autant vous dire que ça avance bien. Franchement... Et là, par contre, là, en fait, personne le voit. Ouais, mais... Ça change tout. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu es d'accord ou pas? Ouais, en fait, ici, avant, il y avait, dans le renfoncement, il y avait un espèce de coffrage pour un tuyau. Et on l'a enlevé parce que le tuyau ne servait à rien. Et c'est vrai qu'en fait, vu comme ça, bah, ça fait plus droit, c'est plus clean. Ouais, mais franchement, ouais. Le fait que les escaliers soient peints, là, je trouve que ça change absolument tout. C'est trop, trop beau. Surtout qu'on n'a rien changé dans les escaliers. Oui, mais là c'est normal, ça fait des traces parce que on a marché n'importe comment avec et tout. Mais ça t'inquiète, tu mets le Swiffer, ça va tout seul. Ah, il te faut un plafonnier ici. Si, si, ils l'ont. Ah, mais tu veux pas prendre celui qu'on avait avant dans le salon? Non, non, j'en ai un qui m'avait déjà mis. C'est le même qu'on avait acheté 3 fois. Ah, oui, oui, ça, je me rappelle. Et on a monté du coup tous les trucs qu'on a pris chez Ikea pour le bureau d'Henri, à savoir des verres, de la vaisselle. Et ça, c'est toutes les nouvelles lampes qui vont aller dans les pièces du haut. Tu connais la loose? La loose, c'est de faire une extension de voix alors que tu dois faire un live et que tu ne peux pas. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les ouvriers ont réussi à faire partir la majeure partie des choses ici, donc ça c'est cool. Donc demain est un autre jour, mais déjà ça se dégage.
Et moi, vraiment, comme une enfant, je vais aller me coucher à 21h30 parce que je suis éclatée, donc je vais arrêter le vlogmas maintenant. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous avez regardé le vlogmas jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter le mot Suède, puisqu'évidemment j'étais chez Ikea aujourd'hui. Je vous fais un petit update des travaux demain, c'est reparti les amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao !